Internet et les réseaux sociaux vont-ils mettre fin à la traditionnelle messe de 20h annonçant les résultats électoraux? Les médias français, dans leur grande majorité, vont respecter l'embargo légal. Mais il est impossible d'empêcher une fuite des résultats dès la fin de l'après-midi sur les réseaux sociaux. La loi française et le code électoral français n'est pas en adéquation avec les usages et les pratiques qui ont été fondamentalement modifiés par Internet et les réseaux sociaux. Il est évident que les résultats seront publiés massivement publiés sur Twitter. Pourtant, la loi est sévère en France. Tout individu qui divulgue les estimations avant l'heure est passible de 75 000 euros d'amende, une somme qui peut être multipliée par 5 dans le cas d'un média. La Commission va mettre en place une cellule de suivi pour observer ce qui va être diffusé le soir de chaque tour de scrutin. Et cette équipe de suivi, de veille, va, le cas échéant, constater les infractions qui seront commises. Et la Commission est tout à fait déterminée à saisir le procureur de la République de toutes les infractions qu'elle aura constatées. Mais la loi ne s'applique pas aux médias basés à l'étranger, comme en Suisse ou en Belgique. Certains ont déjà annoncé qu'ils diffuseront des estimations avant l'heure. C'est sûr qu'on va essayer de les donner le plus vite possible. Ça, c'est l'idée aussi, c'est d'essayer d'avoir le maximum d'informations venant de différents instituts de sondage qui se recoupent plus ou moins. Bon, peut-être ça pourrait nous permettre de donner une première estimation à 18h, parce que là, c'est vrai qu'on a un journal radio à 18h. Pour limiter les fuites, le législateur envisage pour les futures élections de retarder la fermeture des bureaux de vote dans les petites villes à 19h au lieu de 18h actuellement.